Soit les lunes, Ishmat, Arlet Baya Bat Rachel. Alors nous sommes, Baruch Hashem, Asher Yoshev Betecha. Asher Yoshev Betecha, c'est 22 textes éparpillés, une grosse majorité dans Tehilim. Que nos sages ont fait un assemblement d'un texte. Très intéressant parce que ces deux textes-là, c'est, il y a des, normalement, il y a des psaumes, il y a des chapitres entiers qu'on les a fait, on les a mis dans la prière. Et nos sages ont décidé de ne pas se contenter d'un chapitre de Tehilim de David Ameler, mais de prendre des textes qui ont été regroupés. Et ils ont fait de ça quelque chose d'extraordinaire qui est le Asher Yoshev Betecha. Le Asher Yoshev Betecha est indispensable dans la prière. Rashi nous dit qu'il a été instauré par rapport à Ata Kadosh. Il dit qu'il y a trois kdushot qu'on fait dans la journée. Parce qu'il considère aussi Ata Kadosh et Shelti Lot Israël Karazé et Zeve Amar qu'on fait le matin. Et c'est pour ça que le matin, en fait, on fait deux fois Asher Yoshev Betecha. Mincha, on fait une fois. Et puis, Arvit, il n'y a pas de Kdoucha en public. Il n'y a pas de Kdoucha. On ne fait pas Asher Yoshev Betecha. Et pourquoi il n'y a pas de Kdoucha en public? Tu dis Atakadosh dans la Mida, ah, mais il n'y a pas de Kdoucha. La Midisha vient dans la Ritzach. Et donc, ça, c'est le parallèle de Asher Yoshev Betecha. Il y a 22 psaumes qui sont comparés aux 22 lettres de la Torah. La Torah, elle a été composée de 22. Et donc, il y a 22 psaumes dans Asher Yoshev Betecha. Et la Gemara, elle parle, elle dit quelle est l'importance de Asher Yoshev Betecha. La Gemara dit, tout celui qui dit Asher Yoshev Betecha, il a Olam Haba. Et la Gemara dit, pourquoi? Elle dit, parce que toute la Emouna, elle est dans le Asher Yoshev Betecha. Et il est tellement important pour toi. La Gemara a dit, il y a des versets dans Tehilim, Teref Natan Lireav, Hashem donne Noten Lechem Lechol Basar, qui est Olam Chazdo, dans le Halel Agadol, qu'on dit dans Shabbat, Odu Lachem Kito, Odu Kilolam Chazdo, Noten Lechem Lechol Basar, Kilolam Chazdo, on parle du pain, Akadosh Baruch Hu donne du pain, tout. Elle dit non, Poter et Tedera, Mazbi Alechol Chay Ratson, c'est la base de tout. C'est la Emouna. La Emouna, Hachem, l'homme, ce qui est la chose la plus gênante pour lui, ce qui le conduit en réalité, c'est sa parnassa. C'est lui-même. Les tentations de l'homme, elles peuvent le diriger quelque part, mais ce qui est plus fort encore que tout, c'est la résistance, c'est la parnassa. Un homme lutte pour son pain. Il peut déménager, quitter un pays, travailler dur, ne pas être dans son foyer. Tout ça pour la parnassa. La parnassa, c'est le besoin de l'homme. Maintenant, chacun voit différemment l'histoire de la parnassa. Il y a quelqu'un qui la voit comme... Et c'est comme ça qu'on devrait voir nous tous la parnassa. Un outil pour vivre. On ne vit pas pour la parnassa. On a la parnassa pour vivre. L'essentiel, c'est vivre. L'essentiel, c'est pas faire de la parnassa. Chez les Ashkenazes, ils disent toujours, ils adorent dire par nous, c'est par nous, c'est par nous, c'est. Oui. Il faut. Quand tu dis qu'est-ce que tu fais, il dit par nous, c'est. Non, monsieur. L'idée, c'est pouvoir vivre. C'est un moyen. C'est pas l'idéal, c'est pas le but. Le but, c'est de vivre. Le moyen de vivre, c'est d'avoir une parnassa. Nous tous, on demande une parnassa facile. C'est normal. Mais ne jamais confondre, on n'est pas venu dans le monde pour accumuler, on est venu pour vivre. Un homme, il achète, et il investit,
Et tu lui dis, arrête, commence à profiter. Non, et arrête. Arrête ce tourbillon. Et le Hachal, il parle comment être un homme serein à travers notre Emouna. Le malheur de l'homme, le vrai malheur d'un homme, c'est quand il ne trouve pas sérénité, repos, joie dans sa maison, dans ce qu'il a. Il sort dehors. Sentir dehors, chercher une recherche, c'est quand il y a quelque chose de vide dans l'âme. Quelque chose de vide. Il y a quelque chose, un manque qu'on ne sait même pas, c'est quoi? Un jour, j'étais chez quelqu'un. Et il a une très très belle maison. Et il a trois femmes de ménage à la maison. Tout ce qu'il veut. Et il me dit, et j'étais là à côté, il me dit, je suis en train de réserver l'hôtel. Je dis, dans quel hôtel tu vas? Alors il me dit, ah non, dans un bel hôtel. Et alors je rigole, je lui dis, dis-moi. Tu vas à l'hôtel. Je lui dis, quelle dimension est la suite dans l'hôtel que tu as commandé? Oui, une belle, très belle chambre, à 50 mètres carrés, il y a un balcon. Je lui dis, ta chambre à coucher, elle fait 100 mètres carrés. Tu as une piscine entière pour toi. Tu as trois femmes de ménage, elles sont là pour te faire ce que tu veux. Là-bas, tu n'auras pas un homme qui sera à côté de toi. Demander ce que tu as besoin. Pourquoi tu vas? Pourquoi tu sors de chez toi? C'est mieux chez toi, peut-être. Il me regarde, il dit, la vérité, tu as raison. Et quand je suis sorti de chez lui, je me suis dit, qu'est-ce qui amène l'homme, un homme comme ça? Qu'est-ce qui l'amène à faire un voyage? Aller à l'hôtel, qu'est-ce qui l'amène? À quoi? Rencontrer les gens? Sors dans la rue, invite trois personnes, ils seront très contents de venir chez toi, prendre un café ensemble. L'âme vide. Cette envie de quelque chose que jamais je n'attendrai. Pas une soif de kdoucha. Hein? Pas que je pleure quand je ne connais pas le Zohar par cœur. Il cherche quelque chose qui est beaucoup moins que ce qu'il a encore. Ashrei Yoshvei Betera. Ashrei, c'est. Il n'y a pas une plus grande phrase que Ashrei. Le Tehillim, il commence par Ashrei. Ashrei Haish, Asher Lo Halach, Ba'atzat Reshaim. Ashrei Yoshvei Betera. Ashrei Adam Oz Lo Bach. Le mot Asher. Léa, elle a donné le nom Asher. Ki Shiruni Banot. Tout le monde a compris que je suis heureuse. C'est ce qu'elle a dit Asher. Le mot Osher en hébreu, c'est une joie, c'est être heureux que tout le monde voit que je suis bien. C'est même pas serein, c'est beaucoup plus que serein. C'est content. C'est j'accepte le monde, il me fait pas mal. Ce soir, j'ai vu quelqu'un, il me dit, ouais, j'accepte la volonté d'Hachem qui a le corona. Je lui ai dit, pourquoi? Qui c'est qui t'a demandé que tu acceptes? C'est quelqu'un qui t'a demandé? C'est j'accepte. Pourquoi Dieu t'a demandé avant? T'as dit, monsieur, dis-moi, j'amène le corona. Tu as dit, j'accepte, oui, j'accepte, tu peux. Il t'a même pas demandé. Faut pas dire j'accepte. J'accepte, c'est. Et si je n'accepte pas, je vis bien avec ce que Hachem donne. C'est vrai, les gens s'expriment, j'accepte, mais c'est pas ça. Être bien. Quand on était enfant, on nous posait la question, une gazelle et une tortue,
qui font la course. Qui c'est qui arrive le premier à la maison? Tu dis la gazelle. Tu dis non, la tortue. Elle fait rentrer sa tête, elle est à la maison. La maison, c'est... L'homme retrouve dans une maison tellement de choses qu'on ne s'imagine pas. Un calme, une tranquillité. Quelque chose, un barrage qui l'aide pour être... Il est préservé. On parle pas, mais tout ça, ça peut pas devenir d'une simple maison. En béton, en pierre, en or. Non, c'est pas ça ce qui te donne ce qu'une maison doit donner à un homme. Bait. Même les animaux cherchent une maison. Gam tzipor matzea bait ou dror ken la. Un oiseau, quand il a besoin de pondre des œufs, quand il veut faire un nid, il veut faire quelque chose, il cherche un enfant. Il cherche quelque chose, tu as besoin d'une maison pour grandir. Mais ça ancré même dans l'animal, sans lui apprendre. Il cherche. Il va prendre des feuilles. Tous les animaux cherchent un endroit. Un endroit, c'est une limite, c'est pour, pas un que pour me préserver, pour être bien. L'homme, c'est bizarre. Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné une maison. Intéressant. Il était censé à vivre dehors et à chercher quelque chose. L'homme n'avait pas besoin de maison, il n'avait pas eu cette idée parce que Akadosh Baruch Hu l'a amené dans Gan Eden. L'a amené dans Gan Eden. Tout ce que l'homme cherche dans sa vie, que ce soit même les mauvaises choses, en fait, on cherche nous tous le Gan Eden. Quand l'enfant sort du ventre de sa maman, il crie, parce qu'il était bien. Même qu'il était serré et plié, il était bien. Si l'enfant pleurait dans le ventre de sa mère, on l'aurait entendu. On entend des bruits, des gaz dans le ventre. Pourquoi on n'entend pas l'enfant qui pleure dans le ventre de sa mère? Quand il sort, il crie. Parce qu'il a perdu. C'est pas agréable pour lui. Le monde n'est pas agréable. Le monde n'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il veut cet enfant? Cet enfant, il veut chercher le plaisir qu'il avait quand il était sous le trône céleste. Quand sa Neshama était attachée à Dieu, sa Neshama, elle avait un plaisir. Et puis, l'enfant, il était petit, on a essayé de lui donner, mais il cherche toujours des choses. Et quand on grandit, on cherche dans notre subconscient ce plaisir, ce sentiment de... On ne peut pas l'expliquer, ça n'a pas de mots parce que aucun mot peut définir c'est quoi Gan Eden, c'est ça le problème. Comment le Rambam dit? Le Rambam nous dit, tu ne peux pas expliquer à un sourd c'est quoi de la musique. Tu ne peux pas expliquer à un aveugle c'est quoi un beau tableau. On ne peut pas définir. Et c'est pour ça que c'est une envie qui reste en nous et qui ne s'éteint pas. Tout homme qui avait envie de quoi que ce soit dans sa vie, quand il l'a obtenu, alors ça devient un jouet, ça devient quelque chose de précieux. À un moment, mais après on le laisse. Pourquoi? Parce que dès que je l'ai obtenu dans mes mains avec une forme, il a une limite. Même sa limite, même son plaisir qu'il est censé à me donner, il est limité. Donc, on arrête, ça y est, on s'habitue. Nous, on appelle ça s'habituer, vous pouvez donner, formuler le mot que vous voulez. Mais c'est une limite. Mais l'envie de l'homme, elle ne se termine jamais. Tout le temps, il veut des choses. Pourquoi? Parce que c'est une envie de quelque chose de spirituel, de tellement puissant, qui n'a pas de définition matérielle. Et l'homme cherche, et cherche, et cherche, et cherche. Et il s'est dit, allez, je vais travailler dur, je vais obtenir.
Si je vais avoir une belle maison, je pense que je serai heureux dans ma vie. Allez, à quel jour lui a donné? Et là, non. Il y a une belle maison. Il faut une Porsche au garage. Allez, une Porsche. Après, là, bon, je ne peux pas aller en vacances à Dubaï comme tout le monde, dans l'hôtel que j'aurais voulu. Allez. Et tout le temps, là, il y a quelque chose en soi qui invente une envie qu'on n'a pas encore. Et quand l'homme, il a quitté ce monde, vous pensez qu'il a tout fait? Non. La preuve, c'est qu'il pleure. Pleure, c'est qu'il pleure. Il pleure. Les gens de son entourage pleurent. C'est-à-dire que l'homme n'est pas mort avec tous ses projets. Acheré, heureux l'homme, Yochev Beterra, qui a découvert le secret. Ceux qui ont la Torah, ceux qui ont une tefila, qui savent faire une tefila à Hachem, qui savent s'attacher au nom divin par le nom. On peut s'attacher à Hachem. Rien que si on imagine déjà le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevav Ke, on essaye de l'imaginer devant nous, en lumière, en lettres de lumière, qu'il y a comme de l'eau qui sort pour nous nettoyer. Comme si ça rentre en nous, ça rentre. Fais rentrer Hachem en moi. Comme il a dit Yehuda à son frère Yosef, il a dit Bi Adoni, le Shem Hachem, il est rentré en moi. Ça y est, il a retrouvé ses forces. Il est redevenu roi pour défendre Binyamin. Yehuda, c'est Yud-Ké, Vav-Ké, avec Dalet, le mot Dalet, qui représente les quatre lettres qu'on écrit le nom divin. Et Adoni, c'est Shem Hachem de la manière où il est prononcé. Il y avait sa manière d'être écrite, écrit le nom, et sa manière d'être prononcée. Et Yehuda, il dit, j'ai tout en moi, ça y est. J'ai retrouvé ma royauté. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est venu chez moi. Yehuda, ce qu'il a fait, ce qu'il a fauté, c'était d'un vide dans sa Neshama, quand il a perdu sa royauté après l'histoire de Yosef. La Torah nous raconte qu'est-ce qu'il est parti faire. Un roi, c'est ce qu'il va faire un roi. Mais l'âme est vide. Il n'est pas grand, il n'est pas dans sa grandeur. C'est Mashiach, il nous fera comprendre ça. Ashrei Yoshev Betecha Odialel. Heureux l'homme que Kadosh Baruch Hu lui a donné l'option de comprendre comment être heureux dans la vie. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Am Israël, c'est incroyable quand on s'imagine la galoute, l'enfer. Un juif à l'époque dans le Mela, ou dans le. Vous savez d'ailleurs que le ghetto juif, hein, le ghetto. Qui c'est qui a le copyright? Le premier droit? Qui c'est qui a inventé le ghetto juif, vous savez? Nos amis les Marocains. Le premier ghetto du monde qu'on a pris les juifs, qu'on leur a interdit de sortir d'un quartier, c'était à Fès. Là-bas, ça s'est propagé en Europe. Le ghetto. Donnez 1 km² aux juifs. Vous avez cet endroit pour les vivants, pour les morts, pour le commerce, pour tout. Vous nous donnez tant et tant de taxes, vous n'avez pas le droit de sortir d'ici. Que vous soyez 10 000, 15 000, 20 000, 10 000, des malades, personne qui bouge d'ici. Vous savez qui ça veut? Le Mela, le premier Mela, il a été fait à Fès. Et ces Juifs qui souffraient tellement dans l'exil, dans les maladies, qui ne pouvaient pas faire du commerce comme ils voulaient, qui ne pouvaient pas avancer dans la vie. Ce fameux Juif, Shabbat, avec son verre de kiddush à table comme un roi. D'où tu trouves des forces de chanter? Et regardez rien que les chants, la poésie qui a été écrite dans ces pays, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Le juif qui était poursuivi et secoué, chose qui déstabilise des peuples. Pendant la Shoah, les hommes qui ont célébré Pessah avec
des danses. D'où tu retrouves cette joie? À Auschwitz, la fête de Shavuot, il y a un convoi de Bachourim de Yeshiva. On les a fait rentrer dans les douches. Il faut se déshabiller. Et il y a un qui a compris qu'ils rentrent tous pour mourir, pas pour se toucher. Ils sont tous nus. On les fait rentrer. Il y avait du sang. Vous savez, ils nettoyaient, ils rentraient dans la salle, dans les salles de gaz avec, où qu'ils étaient, que Dieu préserve. On leur mettait au lieu de sortir de l'eau dans les douches. Il y avait du gaz qui sortait pour les tuer. Il y avait des taches de sang et on nettoyait. On les faisait entrer comme si c'était intact. Il y a du savon. Et il y en a un, il rentre et il dit, on va nous mettre le gaz dans 2 minutes. Il dit à ses amis, avant de mourir, c'est la fête de Shavuot aujourd'hui. Nous allons chanter un chant pour la Torah. Et ils se donnent tous main à main. Et ils commencent à chanter avec toute joie. Ata bechavtanu. Ça chante. Le nazi qui est responsable, il faut que tout soit dans l'ordre. Il est habitué d'entendre des cris, des pleurs dès qu'on met le gaz. Il tape et ça n'arrête pas. Il ouvre, il éteint, il ouvre. Il dit, vous n'avez pas le droit de chanter dans la douche. Et il chante. Il essaie de refermer, il ouvre, il referme quelques fois. Et tout d'un coup, ça tombe en panne. Et il dit, ben, il y a eu un accident. Et ils sentent, et tout ce groupe n'est pas mort. N'est pas mort. Chanter dans une chambre à gaz. Akadosh Baruch Hu nous a donné un secret. Mimcha et Lecha Evrach. Dans les épreuves, quand tu as compris que c'est Hachem, tu as trouvé le refuge dans l'épreuve. Tu es assis dans la maison d'Hachem. C'est la personne qui peut te prendre. On peut t'embêter, mais on ne peut pas te prendre Hachem. C'est chez lui. Ashrei ha'am, chez Adonai Eloav, que le peuple ne comprend rien sans Hachem. Et Hachem, dans sa solution dans le monde, il associe Am Israël dans tout ce qui se passe dans le monde. L'économie du monde, elle doit passer par Am Israël, il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas s'en passer du peuple juif. Impossible. Parce que la bracha du monde, elle est obligée d'arriver par Am Israël. Et David Amelech, il avait David. Arom imcha Elohai Amelech, va avarchash imcha leolam vaet. Et là, on parle des grandeurs depuis le Arom imcha Elohai Amelech jusqu'à Sommet Hachem de Chol Anoflim, on parle de la grandeur d'Hachem. Mais de la grandeur d'Hachem, qu'on prend conscience de sa grandeur. La Gemara dit, ça serait méchant et ça serait une insulte de dire sur un milliardaire qu'il est millionnaire. Tu vas voir Bill Gates, tu vas dire, tu sais, il est millionnaire celui-là. Te regarde. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal aujourd'hui pour que tu me dises ça? Je suis millionnaire? Non. Ah, tu es milliardaire. Non, je ne suis pas milliardaire. Je suis l'homme le plus riche du monde. Tu dis à Kadosh Barouh, merci Hachem, t'es grand. Grand combien? Grand combien? Rabbeinu, il amène quelquefois dans l'Ikoute Moharan, il amène le Tikkuné Zohar, qui dit qu'Igadol Hashem va donner nous Mikol Elohim. Alors le Zohar, il dit, le Tikkuné Zohar, Mike Igadol Hashem, c'est quoi qu'Igadol Hashem?
Gadol, grand, c'est proportionné à quelque chose. C'est proportionné à quelque chose qui est petit. Ou c'est proportionné à quelque chose qui est encore plus grand. Alors, tu dis à Hachem, qui Gadol Hachem? Gadol, Kol Had, le Foum, Libé. D'après ton cœur, ça dépend. La grandeur d'Hachem, qui Foum, Maïe, Meshar, Bédibé. Chacun, ce qu'il ressent dans son cœur. Mais tu te contentes que de Hachem, de la connaissance que tu as eue d'Hachem hier, tu veux la prendre, l'amener sur demain, ça te satisfait? Tu peux pas. Faut que ça soit plus grand encore. Gadol Hachem. Alors, on a un rôle de faire des louanges à Hachem Yitbarach. Et ces louanges, elles s'expriment en plusieurs étapes. Il y a Arom Imkra, les Romem, je te mettrai plus haut que ce que je connais. Il y a la bénédiction, la bracha, va avarecha shimcha, le'olam va'ed. Le'olam va'ed. Bechol yom avarecheka. Une bracha pour Hachem, c'est pas une bracha, c'est aussi un hiloul, halel. On a les noms de Tehilim. Halel, c'est faire des louanges. Un homme, il fait des louanges quand on lui a fait quelque chose d'exceptionnel. Un homme sirin qui regardait le chesed que Hachem lui fait, sirin qu'on pouvait remarquer le bien, la bienfaisance que Hachem nous a fait à chaque pas de notre vie. Combien de choses on ne sait même pas? J'ai pensé hier, j'ai entendu cette histoire terrible de cette dame qui a été tué dans la forêt. Combien de fois nous, on ne sait même pas en marche? Il y a des gens qui ont voulu nous faire du mal, mais ils n'ont pas pu. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est passé. Ils sont abstenus. On ne voit pas. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait un des sages de la Gemara, il marchait. Et puis, il voyait un monsieur qui dormait. Il dort. Et tout d'un coup, il voit un serpent qui s'approche pour le mordre. Il l'aurait tué. Et quand le serpent il s'approche, il y a tout d'un coup un oiseau, un vautour, qui passe et qui prend le serpent et qui le tue. Et le monsieur, il se lève, il secoue les habits. Il avance. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, Kamachal, lochale velo margish. Il s'en vient. Combien de choses on est préservé? On conduit aujourd'hui en voiture, combien Hachem nous garde? On ne peut même pas s'imaginer à quel point. Le remerciement à Hachem, il doit venir en Hallel. Il faut faire un travail en nous, un travail de remercier Hachem. Pas avec un rituel de lire un texte. Faire un travail, t'asseoir, penser sur ta journée et trouve un petit point pour dire un merci sincère qui ne soit pas un merci quotidien. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit qu'il a des problèmes de Shalom Bayit. Il me dit, ma femme, tout ce que je lui dis, ça ne suffit pas. Je dis, parce que tu lui dis que quand elle te demande, tu manges un repas. Alors, elle est assise, la pauvre, elle est stressée. Elle a voulu te faire une surprise. Elle a dit. Elle est passée au super, elle a dit, tiens, je vais lui faire. Il va kiffer ce repas. Elle est partie, elle a acheté. Elle a essayé, c'est nouveau pour elle. Mais l'idée à la base, c'était faire plaisir à son mari, à ses enfants qui vont manger le repas. Dans son cœur, à elle, elle a envie de faire plaisir. Elle n'a pas envie de leur donner des cailloux à manger, elle a envie de leur faire plaisir. Et puis, elle est assise modestement au bout de la table et elle a préparé. Elle s'attend à quoi le mari? Quand il a mangé, une fois il a tiré le drap ou il a arrangé,
Quand sa femme arrive, tu vois ce que je t'ai fait, tu vois. Mais elle, tous les jours, elle fait. Alors, elle s'attend au moins un petit mot, qu'on sente qu'elle était là, sa présence. Le mari, il rentre, il voit là, tout arrangé. Tu rentres jeudi, déjà la maison, elle brille pour Shabbat. La maison, elle brille pour Shabbat. Montre que tu as vu, au moins que tu as vu. Tu viens, tu rentres, normal. Merci chérie, c'est magnifique. J'apprécie énormément. Tu es la lumière de la maison. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Mais bébête, quand tu dis une phrase comme ça, elle ne va pas venir te réclamer après. Mais quand elle n'a rien reçu, elle est assise à table, elle doit te faire sentir de ta bouche que c'était bon. Elle te dit, comment c'était le repas? Ou elle te dit, ah, je suis crevé. Parce que j'ai travaillé, il fallait faire les courses. Qu'est-ce qu'elle attend que tu lui dises? Merci. J'apprécie énormément. C'est tellement bon. C'est tellement spécial. Pas qu'elle te tire les mots de la bouche. Mais quand on n'a pas ça, même à la maison, après c'est difficile même de trouver les mots HM. On vit dans un rituel, tout est. C'est normal. Tu dis à quelqu'un, s'il est un peu moins poli, tu dis c'est normal. Moi j'amène la parole à ça, c'est normal qu'elle fasse. Et moi je ne me tue pas. Oui, elle doit te dire merci, toi aussi tu dois dire merci. Mais quand tu n'as pas ce langage de Halilva, Shibra, David Ameler dans Tehilim, l'idée de David Ameler, David il est venu nous donner quelque chose. Qu'est-ce que David nous a offert dans la Bible? Quelle est la qualité du Tehilim? David Ameler qui te dit, il ne suffit pas de faire 613 mitzvot. On a un contrat de mariage dans la Ketouba. C'est écrit que la femme est censée à nourrir, à faire la maison. Et le mari, il est censé à lui acheter, à nourrir. C'est pas écrit qu'il faut lui faire des fleurs, tu sais, qu'il faut lui envoyer des roses. C'est pas écrit dans la Ketouba. Mais on sait que c'est des fois beaucoup plus important que de lui même que de lui acheter ce qu'il faut. Alors, j'ai pas dit de lui dire des mots et ne rien, tu vois, de... Non, mais il y a des gens que c'est ça. Ils sont très forts dans les mots. Mais les mots, c'est tellement important. Et c'est exactement ça ce qu'il est venu David Ameler. Dans son Tehilim. Il te dit à la Torah, il y a les cinq livres que mon cher Rabban nous a donnés. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Il y a les paroles de prophètes. Mais avant moi, il n'y a pas cette notion de remercier Hachem sur chaque pas. Et ça, c'est David qui est venu nous le donner. Ça, c'est le cadeau de David Ameler à Israël. Toda, Hachem. Remarque, David Ameler, il a donné tellement de définitions sur quoi remercier. Il remercie Hachem même sur ses ennemis. Il fait des louanges. Ça, c'est dit. Et il exprime. Hachem est grand. Il n'y a pas de limite à sa grandeur. De génération en génération, je transmettrai à mes enfants pour qu'eux aussi disent merci sur ce que tu as fait avec moi, pas rien que sur eux. Quand un homme s'habitue à dire merci sur ce que Hachem a fait à son papa, ça c'est un vrai merci. Ça c'est chercher, c'est avoir du sens. Ta grandeur, ta dimension. Diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Et les psukim, si on rentre, moi je veux, l'idée c'est de comprendre un peu. Hanun verachum Hashem, erech hapaim udol chased. La grâce que Hashem nous donne. La miséricorde, le pitié. Même quand un homme a fait du mal et il faut le remettre en place, c'est avec une mesure, c'est avec pitié. C'est comme nous, quand on était enfant, des fois, il fallait prendre une fessée. Je me rappelle mon père, il disait, ne bouge pas pour que ça ne fasse pas trop mal. Il faut donner un petit coup. Mais ne bouge pas, là. N'aie pas peur de bouger, parce qu'après, tu vas avoir plus mal encore. Donc, fais attention, c'est mesuré. Même dans le coup, Hachem, un gramme en plus, il ne veut pas que tu souffres. Il faut que tu ailles la réflexion, il faut que tu te réveilles.
Il faut, mon fils, que tu changes. Il faut. Mais t'inquiète pas, même pas une piqûre en plus. Même pas une petite pince en plus. Même pas. Et Rechapaïn de Rav Chesed, Akadosh Baruch Hu, des fois même il prolonge pour que ça fait moins mal. C'est plus facile de payer en paiement, rembourser en beaucoup de fois, que de payer en une fois. Et là, on passe à la royauté d'Hachem, à sa gouvernance totale. Parce que Hachem, il gouverne même les tout. Malchuto bakol, machin. La royauté d'Hachem, c'est une royauté de l'univers et plus que l'univers. L'univers, c'est un point dans l'infini de Dieu. Tout ce qu'on a. Tout, la galaxie, tout. C'est un petit point dans l'infini d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais trouver des limites à ce qu'on découvre. Il n'y a pas de limite. Tout est dans l'infini, dans le Ensof de Akadosh Baruch Hu, Itaalesh Molad. Ou même Shaldecha Bechol Dor ta gouvernance. Somer Hachem Lechol Anoflim. Ce Hachem qui est tellement grand, qui a tellement de choses dans sa création, il a arrêté tout, il a stoppé tout, il me donne rendez-vous. Parce que je tombe, alors il est là. Il m'attrape. Sommaire. Que je me crois, il aide celui qui tombe. Vézoké, flécola, tout celui qui est bossu de souffrance, il le fait lever. Il regarde droit, mon fils. Tout le monde, leurs yeux est tendu à toi. La nourriture au moment où ils ont besoin. Regardez quand vous allez voir un chat. Un homme, qu'est-ce qu'il fait un homme? Il se lève le pauvre à 5 h du matin pour aller travailler. Tu lui dis, mais t'as un peu d'argent dans ton compte. T'as des économies, me semble. Tu dis, non, je travaille pour ma retraite. C'est-à-dire qu'il travaille pour encore 30 ans. Il se lève pour ça à 5 h du matin. Et tu vas voir un petit chat de rue. Il est assis, il est sous la voiture. Il grimpe quand il fait un peu chaud sur la voiture, il prend du soleil. Et quand il a faim, une petite demi-heure avant, il va commencer à chercher. Et il a trouvé. Berito! Dans le temps, Hachem lui donne. Ça, c'est le Sheva. À l'époque, avant que David règne sur le peuple d'Israël, c'était berger. Berger, à l'époque, il y a plusieurs sortes de bergers. Il y a un berger qui est riche, qui a un grand troupeau, et il y a un berger que sa profession, c'est berger. À l'époque, tout le monde avait une vache laitière, une chèvre, la chèvre de Monsieur Seguin, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, chacun dans la ville, il fait la traie le matin. Et il faut faire paître là, qu'elle va brouter. Donc il y a quoi? Le matin, la personne, quand il a fini de faire la traie de sa chèvre, il la prend, ou sa brebis, il prend les animaux. À l'entrée de la ville, il y a beaucoup de bergers. Il dit, tiens, amène-la avec le troupeau, et le soir, il la ramène. Et à la fin du mois, on leur donne quelque chose. On partage de la laine. On donne du lait, une quantité de lait. C'est ça ce qu'ils font. David Ameller, il vivait à Bethléem avec sa famille, il était berger. Le soir, avant d'entrer en ville, il faut compter les moutons, il faut compter le troupeau. Le matin, je suis sorti avec 900 têtes. Il faut que toutes les 900 sont là pour les rendre à chacun. Le soir, il compte. 899, il en manque un. Forcément, il y a quelqu'un, le monsieur, il vient, il ne trouve pas. Il faut payer de sa poche. Il a perdu sa semaine. Angoissé. Oh, j'aurais dû être plus sérieux, voir. Le lendemain, il rentre en ville, il compte. Encore une fois, il y a un autre animal qui a été perdu.
Il dit, aujourd'hui, j'ai essayé de bien voir et j'ai pas. Il demande à un ami, est-ce que tu peux venir avec moi demain? J'ai peur de perdre, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que 2 jours suivis, je perds un animal? Il va avec son ami, tout d'un coup, à midi, il voit un petit mouton, hop, qui bouge du troupeau et qui va. Il y a son ami reste avec le troupeau, il le suit. Et le mouton qui court. Et David qui va derrière lui, il monte sur des montagnes, il descend dans les vallées. À un moment, il monte, il grimpe, il grimpe. Et David qui court derrière, le mouton il va vite, il court, il court. Tout d'un coup, le mouton s'arrête devant une grotte. David qui court vite. Qu'est-ce qu'il voit? La sortie de la grotte plein d'os, d'animaux, des ossements. Et il voit que le mouton il rentre. David il court derrière lui et tout d'un coup, il s'arrête. Il voit un ours marron, géant, qui prend le mouton et qui lui enfonce ses ongles, qui le déchire sur place. David il prend vite des bâtons, des pierres pour. Il a peur et il s'approche du mouton, il voit de l'ours, il voit que l'ours, il bouge comme ça de peur, et il se rend compte que l'ours est amputé. Il n'a pas de pied. Cet ours qui se trouve dans la grotte, qui a perdu ses pieds. Et il crie à Hachem dans la grotte. Hachem, donne-moi à manger. Et Hachem lui envoie un mouton tous les jours. David, il sort de la grotte. Et il pleure des larmes de remerciement à Hachem. Est-ce que tu es grand Dieu? Quand tu vois une araignée qui fait un nid d'araignée et qui s'installe quelque part, ben, il faut bien manger. Il y a forcément des animaux qui vont venir l'alimenter. Elle est là-bas. Elle va manger. Et Hachem va lui envoyer une fourmi qui va grimper tous les jours pour lui donner à manger. Si Dieu aide tout cela, pourquoi tu ne veux pas quitter de toi? Pourquoi tu penses qu'à toi, que toi, tu n'auras pas de quoi manger? Pourquoi tu penses comme ça? Hachem, il est fort que pour les animaux, il n'est pas fort pour les humains? Kadosh Baroukh Hou, il nourrit même les animaux sur la tête de l'homme. Des parasites, des puces de préserve, des poux. Ils sont nourris. Ils leur donnent à manger. Les animaux domestiques, ils peuvent mourir de faim, mais ceux de la rue, ils ont de quoi manger. David Amen, et c'est ce qu'il dit, Aine kolelecha yisaberu ve'altan noten laem et ochlam be'ito. Mais c'est même pas ça. C'est chacun dans le moment où il doit recevoir, Hachem lui envoie. C'est incroyable! Ils sont nourris à la fin. En fin de compte, ils sont tous nourris. Ils bougent, ils cherchent, mais ils sont nourris. Ils ne se prennent pas la tête. Regarde un animal, combien de temps dans la journée, combien d'énergie il met pour manger. Tu vas voir, c'est même pas 10% de sa journée, même pas. Et l'homme, oh, s'il avait dans la journée 28 heures, il aurait travaillé 28 heures. Travail. Et il n'a même pas compris la vie. Et ça, il faut le comprendre. Le Ismach Moshe, il a expliqué d'une manière extraordinaire le pasouk. Kadosh Baruch Hu dit dans Tehilim, Bni, Bni ata ayom yeditikha she'al mimeni ve'etena goyim nachalatecha. Il dit, il y a quelqu'un qui fait une prière à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, j'étais licencié. Et Hachem lui dit, mon fils, bienvenue au monde. Non, non, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu me dis ça? Mais j'ai 40 ans. Non, non, bienvenue au monde parce que tu es en panique, on dirait que demain tu ne vas pas manger. Qui c'est qui t'a fait manger 40 ans jusqu'à aujourd'hui? Hein? Dis, tu peux dire Hachem.
Je mérite pas trop, mais ne m'abandonne pas, même si je mérite pas. Mais qu'est-ce que tu te mets en panique? C'est quoi la panique? Ça va te donner quoi? Poteach et yadecha umasbia lechol hay. Quoi? Pas ochel, ratson. Un homme qui veut, il reçoit finalement ce qu'il veut. Le Zohar, il dit, Bemazalla talia milta. Il y a une phrase en hébreu qui est une phrase tendue qui n'est pas vraie. Qu'on dit, En lecha davar haomed bifnei haratzon. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Non, la volonté elle peut aider beaucoup, oui, mais une volonté c'est important, mais elle ne peut pas tout donner. Si demain je veux être moi le président des États-Unis, je ne peux pas. Je ne suis pas né aux États-Unis. Je peux vouloir jusqu'à demain. Mais sache-le que tout homme qui a obtenu quelque chose, il y a une volonté derrière. Hachem nous donne pas rien de la nourriture. Hachem nous donne nos besoins. Ce qu'il faut être heureux, tu sais. Regardez dans le monde, il y a 8 milliards de personnes, sauf les nomades qui ont choisi leur modèle de vie, les Touaregs et ceux qui vivent dans les déserts. Ben, tout le monde vit dans des maisons. Même les clochards. On vient leur donner, mais ils ne veulent pas. On leur donne. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a créé dans le modèle du monde qu'il y a pour tout le monde un toit. Il y a un toit. Bon, ce ne sera pas à Anana, peut-être à Dimona, je ne sais pas moi, mais il y a. Il y a pour tout le monde. Il n'y a personne qui va te prendre. Et on se jette d'une manière tellement bizarre. Comme si il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de quoi vivre, et comment faire, et quelle panique! Comme si le monde, hein, comme si tout va se terminer. Poter et yadecha umasbia lechol chay ratzon. Alors, c'est le texte qu'on connaît. Je crois que c'est le texte où on fait le plus de kavana toute la prière. Une fois, il y avait un homme qui était très avare, très avare. Il était multimillionnaire, mais il était avare. De la même manière qu'il était riche, il était avare. Et quand les gens venaient de lui demander de l'argent, il faisait sortir une petite pièce en cuivre qui valait rien du tout, quelques centimes, et il donnait. Un jour, il y a un clochard, il rentre à la synagogue. Il dit à ses amis, oh, celui-là, il paraît qu'il est multimillionnaire. Il va m'aider. Ils lui disent, il va te donner une pièce de 5 centimes. Il dit, vous allez voir avec quel billet je vais sortir, moi. Il vient et il voit, hein, il a su ce riche et il a vu que. Le texte, son texte le plus sacré, il a vu dans Ashrei Yoshev Betera comment il fait poter Achetia Decha. Donc il s'est fait avoir, il a raté le premier Ashrei Yoshev Betera, mais il a attendu le deuxième, qui est après la Amida. Et il voit Ashrei Yoshev Betera, il fait poter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu Ashrei Yoshev Betera. Avant que l'autre il est arrivé à poter Achetia Decha, il est venu lui attendu la main. Il lui a donné la petite pièce. Quand il avait poté, derrière, il s'est approché de lui, il lui a montré la pièce. Il a dit, pourvu que Dieu te donne exactement ce que tu me donnes. Il a dit, non, il est rien. Il lui a gâché le poté, derrière. Il fait sortir la main dans la poche et il fait sortir une pièce de 2 euros. Et tous les autres, ils ont dit, première fois qu'il fait sortir. Il regarde comme ça la pièce. Il lui dit, comme que tu m'as donné, merci de ta gentillesse, mais ce que tu m'as donné, que Dieu te le rembourse. Il dit, non, 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 non. Il cherche, il trouve un petit billet, 5 euros, il dit, que Dieu te donne 5. Ah, il lui a donné 500 euros. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, poter et yadecha. Quand Hachem, il ouvre ses mains, il nous donne royalement.
Maintenant, il y a une kavana, je vais vous donner une, les kavanot simples qu'il faut faire. Il est écrit dans la halakha. Maintenant, nous, on croit que c'est qu'une ségoula. Ce n'est pas qu'une ségoula. C'est écrit dans la halakha que si on a lu le Hashri Yoshvé Betera, et on n'a pas fait la kavana dans Poter et Yadera, il faut refaire Hashri Yoshvé Betera. Le Poter et Yadera, c'est la base de la Emouna. Tout vient d'Hachem. Tu as un concurrent demain. Il vient, il fait la même chose que toi. Tu t'énerves. Baba, c'est Hachem qui te nourrit. T'es nourri, t'es alimenté de la main d'Hachem. De qui t'as peur? Essaye de t'améliorer. Reste sur ta position. Améliore-toi. Ne passe pas ta vie à insulter l'autre. Améliore-toi. Il a fait quelque chose de nouveau, fais-toi aussi encore quelque chose. Ne le regarde pas. T'es alimenté par Hachem. D'après la Kabbalah, il faut être Mechaven dans Poteach et Yadecha, l'acronyme de Poteach et Yadecha, P'Alef Yud. L'acronyme est, et les dernières lettres, Poteach c'est Chet, Et c'est Taf, Yadecha c'est Chaf. Chet, Taf, c'est quoi Chet Tafraf? Alors, en hébreu, c'est Chatach. D'ailleurs, Rabbeinu nous dit qu'il y a une Sgoula à la veille de Rosh Hashanah d'acheter un couteau et de l'aiguiser. C'est Chatach. Chatach, c'est une tranche. C'est-à-dire que le pain, il est partagé par Akadosh Baruch Hu. On ne rentre pas dans la manière comment il le partage. Mais sache-le que quand il a tranché Hachem, avec le couteau qu'il t'a donné, ce qui t'a tranché, c'est à toi. De l'autre, tu ne pourras pas prendre même pas un gramme. Même pas un gramme. Et ce qui est à toi, tu vas le recevoir même si tu penses que l'autre t'a pris. Ça n'existe pas un manque à gagner pour celui qui a de la Emouna. Le manque à gagner, il existe dans un monde, c'est vrai, il y a du vol. Mais un homme qui est tzaddik, personne ne peut le voler. Un homme en fait d'Hachem qui vit dans cette émouna, peut pas. Rabbi Hanina ben Dossa, ses chèvres, il a trouvé des chèvres. Un jour, on lui a dit, tes chèvres, elles mangent de la nourriture dans les champs parce qu'il est laissé. Il dit, moi, mon animal, il ne peut pas voler non plus et personne ne peut le prendre et personne ne peut le toucher. Et il a dit, si mes chèvres, elles ont volé quoi que ce soit, et bien que les ours mangent mes chèvres. Et sinon, que mes chèvres, elles arrivent le soir, chacune avec un ours sur ses cornes. Le soir, elles sont rentrées les chèvres dans la ville avec des ours sur leurs cornes. Quand quelqu'un, il est droit, personne qui peut nous toucher une pièce. Mon grand-père, Zichrono Livracha, était épicier, ce n'était pas un Talmid Raham. À 9 ans, il était orphelin, il a nourri sa famille, il faisait colporteur dans les villes, dans les villages, il vendait des lacets, des trucs. Dans les villages, dans les petits coins chez les Arabes. Et après, il a ouvert un magasin, c'était grossiste de sucre, etc. Et il faisait tellement attention, il y avait le nouveau poids qui est sorti. Vous savez, les Français, ils emmenaient avec eux le poids, pas le poids qu'on attrape en haut, comment ça s'appelle? La balance, pas la balance, hein? Hein? La tare, c'est le poids fixe. Voilà, un poids, non pas électrique. Non, je sais. Voilà, la tare. Et dans la tare, il faut mettre une pièce pour qu'il ne soit pas égal, pour que ça penche, il faut qu'il y ait 20 grammes. Et mon grand-père, tant qu'il n'entendait pas le clic du côté du client, il mettait toujours. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes? Ils savaient que comme il est tellement honnête, on peut gagner chez lui. Il venait demander 100 grammes de thé. Pour mettre 100 grammes, pour qu'il entende le clic, il mettait 120.
Un jour, mon oncle, il est venu chez lui, il lui a dit, il a vu qu'il fait comme ça. Il verse tant qu'il n'entend pas le clic, il lâche pas. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse? Il dit, mets 80 grammes et jette sur le pot, comme ça, il fera du bruit. Il a dit, je t'interdis à rentrer dans mon magasin. Un jour, il est venu un berbère de la montagne. Il est venu, il a chargé un camion, du sucre, du thé. Mon grand-père était grossiste. Et il dit à mon grand-père, j'ai oublié mon argent. Mon grand-père, il lui prend. Et dans combien de temps tu me ramènes l'argent? Il dit dans un mois. Ok. Il sort. Maintenant qu'il rentre, papa, qu'est-ce que tu as fait? C'est fou. Tu as chargé un camion. Mais il va jamais revenir, celui-là. Et mon grand-père lui dit, j'ai jamais volé de ma vie un rond. Personne ne peut me voler. Il rentre le soir, il dit à ma grand-mère, attends-toi le mois prochain, les difficultés, papa, il est fou. Le mois d'après, évidemment, il n'arrive pas. Le client n'arrive pas. Et mon oncle avec mon grand-père, tu vois, papa, arrête d'être naïf. Arrête. C'est de la naïveté ce que tu fais. Et mon grand-père lui dit, c'est pas de la naïveté. Personne qui peut me voler. Un mois après, il y a quelqu'un qui tape le soir chez eux à la porte. C'est ma grand-mère qui nous racontait. Tape à la porte. Un jeune homme, ici habite Tajer Moshe Hara, oui. Il dit en arabe, voilà, je suis le fils d'un tel qui a pris le camion. Mon père a subi une maladie terrible. Avant de mourir, il nous a dit, avant de m'enterrer, vous allez payer la dette que je dois à tel monsieur. Et voilà, je suis venu te rembourser tout ton argent. Un homme qui va avec droiture, qui sait que c'est Hachem qui nous donne. C'est Hachem qui nous donne. Déjà d'être serein, ce qui est un. Il y a des gens que pour eux, quand on leur propose à gagner de l'argent, pas honnêtement, pour eux, c'est une occasion de gagner de l'argent. C'est pas une occasion! C'est pas une occasion, c'est pas à toi! C'est pas, je peux gagner et j'aurais peur et j'aurais des. Non! T'as pas d'émouna. Celui qui fait ça, comment il peut dire après merci Dieu, il m'a envoyé la bracha. Quand il dit il m'a envoyé la bracha, il me rappelle exactement les voyous qui sont assis sur un bout de rue et quand il voit une vieille qui vient, il lui vole sur ça qu'il dit merci Dieu que tu m'as envoyé la dame. C'est exactement ça. Les gens pas honnêtes, il faut les écarter des synagogues. Non, j'espère que ce n'est pas à cause de ça. Il faut comprendre. Quelque chose qui n'est pas honnête, ce n'est pas ta parnassa. Ne tombe pas dans le piège où que les autres tombent. Hachem ne veut pas que tu le fais. Tu peux pas dire, j'ai essayé, puis après, bon, j'ai vu que. Alors j'ai cherché quelque chose. Non, ce n'est pas une opportunité. Si tu comprends que c'est Hachem qui ouvre sa main et qui te donne, ne refuse pas la main d'Hachem, ne prends pas de la main du Satan. Le Satan, il est là à côté. Il dit, moi aussi, je donne. Sauf que lui, il met du poison dans la main. Il amène des malheurs. Pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Tu ne peux pas avoir du bonheur dans de la nourriture qui ne vient pas d'Akadosh Baruch. Moi, je préfère la cuillère d'Hachem, même s'il y a dedans que de la semoule. Je ne cherche pas la crème fraîche. C'est Hachem, du moment que c'est Hachem qui me donne, comme Rachid l'amène sur la colombe, quand Noah a envoyé la colombe, elle est revenue avec des feuilles d'olivier.
Alors, Rachid, il amène le Midrash. Elle a dit à la colombe, je préfère recevoir de la main de Dieu, même si c'est amer comme une olive, que de recevoir des bonnes choses de la main d'un homme. Un oiseau prisonnier, un oiseau qui est fermé dans une cage, donne-lui toutes les graines que tu veux. Une fois, le chat perse à l'époque, il a entendu qu'il y avait dans la forêt un oiseau qui chantait, mais un chant merveilleux. Il chantait, il est passé pour il est parti faire la chasse, et il a entendu l'oiseau. Il a fondu quand il a entendu comment il chantait. Et il a dit à ses chasseurs, celui qui m'amène cet oiseau, cet oiseau-là, tout ce qu'il veut, je lui donnerai. Il y avait un chasseur courageux, il est rentré dans la jungle et il a attrapé l'oiseau. Il est venu et il lui a amené l'oiseau. Le roi a pris une belle cage, a fait faire une cage en or. Elle était posée à côté de son trône et il voyait l'oiseau. Et l'oiseau, pam, pam, pas un siffle, pam, rien. Et il est parti, il a demandé à des zoologues, des spécialistes, ils lui ont dit, écoute, il faut qu'il s'habitue. Il volait dans la jungle, maintenant il est dans une cage. Ça va lui prendre un moment. Et l'oiseau, rien, une semaine, 2 semaines, et il perd le poids. On lui donne à manger, il bouge, il a peur, dès qu'on s'approche. Le roi, il est parti. Et il a amené un vétérinaire pour analyser. Qu'est-ce qui se passe avec l'oiseau? Pourquoi il ne chante plus? Peut-être c'est pas l'oiseau qui l'a. Le roi a appelé cette personne et il a dit, je crois que tu vas me rendre ce que je t'ai donné. C'est pas l'oiseau que tu m'as amené, c'est pas le bon. Il a ouvert la porte de la cage, il a attrapé l'oiseau, ils étaient dehors, et l'oiseau qui se sauve et qui commence à chanter. Mon pays natal, je vais retourner chez moi, je vais retourner, il rechante. Un homme peut être dans une cage du moment où il n'a pas sa liberté. Où il n'a pas la bracha, il peut recevoir de l'or, mais c'est une cage. Ça ne lui amènera pas de bonheur. Et ça, il faut le faire rentrer, parce que ces épreuves, malheureusement. J'entends des fois des gens, ils me disent, j'ai une épreuve, je dis, Merhila, pour moi, ce n'est pas une épreuve. Je sais pas, moi, c'est naturel pour moi de ne pas voler, je ne sais pas, c'est. Je ne vois pas elle est où l'opportunité ici, je vois pas. Mais bon, il y a des gens. On ne juge pas quelqu'un que ça parle. Je ne juge pas. Je suis pas dans le jugement. Je suis là pour apprendre comment il faut s'éloigner. En se renforçant à Emouna pour qu'on ne tombe pas dans ces choses ridicules. Un homme qui va derrière son argent, et tu vas arriver où? À la tombe avec ça. Automatiquement, les fréquentations sont mauvaises parce que tu fréquentes qui? Tu fréquentes les gens qui font que ton milieu devient des gens corrompus. Et les gens corrompus, ils fréquentent des gens encore plus corrompus qu'eux pour les protéger. D'autres personnes corrompues. Et des hommes qui étaient dans un milieu correct, ils sont tombés d'un an, ils ont dit quelques mois pour sortir de la situation, pour avoir de l'argent facile. Et ils sont rentrés dans des milieux que Dieu nous en préserve. Et les enfants, ils ont fréquenté des familles que Dieu nous en préserve. Et mange ton pain simple avec une olive, un peu d'huile d'olive et dis merci à Hachem. Et ça suffit. Tu as un toit, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une joie. Les plus grands plaisirs de la vie sont gratuits. Le beau paysage, la mer, le soleil, l'amitié. L'amour, c'est gratuit tout ça! Qu'est-ce que tu vas chercher des bêtises? Qu'est-ce que tu vas chercher de vie artificielle? Poter, cet ange, l'ange responsable de la Parnassa, c'est le secret de Khatar. Quand tu as compris
que ce qui est à toi est à toi, c'est là où tu auras la mort. Ça, c'est la Zgoula, ça, c'est la Kavana. Ça, c'est l'ange de la Parnassa qui t'amène. Quand tu as compris que ce qui est à toi, et ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. La fourmi, elle comprend. Quand elle marche, elle voit un grain de blé qu'une autre fourmi, elle a pris, mais elle a prélevé dessus un petit liquide pour faire comprendre à tout le monde que c'est son odeur à elle, c'est son ADN. Aucune fourmi ne lui touche. Parce que c'est pas à elle. Quand tu as compris ça, la bracha, elle est chez toi. Un homme dit, j'ai fait des millions, mais après j'ai tout perdu. Alors quoi? C'est comme une fois, il y avait deux personnes. Ils ont reçu la paye. Ils ont reçu la paye du mois. Ils étaient contents, ils ont travaillé dur, pas moi. Mais c'était un peu des jeunes un peu légers dans la tête. Ils sont passés à côté d'un marécage. Et il y avait une grenouille qui sautait, qui criait. Et bien, il voulait s'amuser. Il a dit à l'autre, écoute-moi. Tu vois cette grenouille? Si tu l'avales, tu la prends maintenant, tu la mets dans ta mouche avec sa carapace, tu la mâches, je te donne toute ma paye. L'autre, il a dit, ah ouais, hop, il a sauté, et il a pris, ah, il a baisé, il a avalé une grenouille vivante. L'autre, il regardait, et lui a donné la paye. Ils ont fait un pari, il faut respecter. L'autre, il pleure, tu vois, il dit, quel idiot aussi. Un mois entier, j'arrivais pas à croire que mon ami va aller jusqu'au bout. Il va avaler une grenouille. Du coup, l'autre, il passe après à côté d'un autre marécage. Je lui dis, tu sais quoi? Si maintenant toi aussi tu avales une grenouille, je te rends ta paye. L'autre, il veut maintenant récupérer. Il prend la grenouille, il avale. Il y a une troisième personne qui était à côté. Il dit, dis-moi. Le deuxième, qu'il avale une grenouille, je comprends, il a dit une bêtise. Il n'a pas compris, il ne t'a pas estimé bien. Il croyait, il a dit ça pour s'amuser, tu l'as fait. Mais maintenant, le deuxième, je comprends pour qu'il a avalé une grenouille. Il a voulu rattraper son argent qu'il a perdu. Mais toi, Ahmar, tu as reçu de l'argent dans ta main. Pourquoi tu lui as reproposé? Il dit oui, mais j'ai eu de l'argent entre-temps dans les mains. C'est exactement ça. L'idiot qui pense qu'il a de l'argent dans ses mains. Donc il y a des gens qui te disent, tu sais, j'ai fait des bêtises, mais j'ai kiffé, je suis parti à l'hôtel, j'ai fait des voyages, je me suis acheté des beaux habits, j'ai fait la vie. Monsieur, tu as avalé la grenouille, tu l'as rendue après à l'autre, il n'y a rien qui reste. Voilà. C'est sûr, certes, qu'il n'y a rien qui reste. Shlomo HaMelech dit, celui qui fait de la richesse, qui n'est pas juste, à la moitié de sa vie, ils se quitteront. Et nos sages nous disent ou son argent le quitte, ou lui quitte son argent. Qui décide qu'est-ce qu'il veut. Et c'est pour ça que tout de suite après, comme on parle de la Parnassa, ben justement, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu renforces cette idée en toi. Ne va pas chercher des choses tendues. Demande à Dieu. Tzadik Hashem bechol drachav, vechassid bechol ma'asav. Akadosh Baruch Hu. Chassid, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne plus que ce qu'il doit. Un employeur, quand il a ses employés chez lui, ah, il leur dit, si c'est un employeur grosse société, tu fais passer ta carte, il y a le comptable à la fin du mois. Akadosh Baruch Hu, c'est chassid. Il donne plus. C'est un père qui embauche, c'est un frère qui embauche son frère. Prends! Karov Hashem, l'échol coréen. Appelle Hashem, demande. Parle avec Hashem, c'est mille fois plus facile que d'appeler quelqu'un et de l'escroquer au téléphone. Un jour, je vais à Ouman. Je vais à Ouman. J'ai pris un taxi. J'ai réservé déjà d'Israël. Je sors de l'aéroport. Et le taxi qui m'attend avec le chauffeur avec le papier. Je veux rentrer. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'attrape. Il me dit en hébreu, tu veux que je te prends un roumain? J'ai dit non, j'ai déjà réservé un taxi. Il m'a dit, je te prends gratuitement. J'ai eu peur quand il m'a dit ça. Il va me
Et c'est pas vraiment mignon. Alors, il me dit, je t'en supplie, ma vie, elle dépend de ça. Je te prends, crois-moi, crois-moi. T'as payé, je te prends gratuitement. J'ai dit au chauffeur, tu es libre. J'ai payé déjà. Je lui dis, mais pourquoi tu tiens à me prendre? Il me dit, j'ai besoin de me verser, je sais pas, ta figure, elle me plaît, il faut que je me verse, que je parle. Ok. Je monte avec lui, il me dit, regarde. Il me dit, moi, je parle six langues. Six langues. Et il me dit, j'habitais à Tel Aviv. Je travaillais dans le Forex. À l'époque, il y a Hassan, le Forex. Hein? Le Forex, c'est les tzadikim d'aujourd'hui. Vous savez, il y a les premiers, c'est les voyous. Après, quand les deuxièmes, ils sont venus, les premiers, ils sont venus des tzadikim. Donc, il me dit, je travaillais au Forex. Il me dit, on avait notre bureau dans les tours à Tel Aviv. Il me dit, et on n'avait pas le droit de prendre le téléphone. Il fallait nous qu'on appelle. Mais tu ne lèves jamais. Même si le téléphone il sonne, tu ne réponds pas. C'est la loi là-bas. Évidemment, vous savez, quand tu fais des grosses ventes, tu prends des très grosses primes. Il y a une base et ensuite. Il me dit tous les mois, je gagnais entre 60 000 shekels et 110 000 shekels. Il me dit, j'ai travaillé 2 ans dans le Forex. Il me dit, je me suis éclaté. Il me dit, j'ai dû prendre 1,5 million net dans ma poche. Il me dit, mais tu ne vas pas me croire. J'ai même pas un appartement. Il me dit, toujours à la fin du mois, j'étais avec un trou. Avec un trou dans la poche. Il me dit un jour, je sors comme ça pour prendre ma cigarette, pour sortir dans le balcon pour fumer. Et il me dit, je suis en train de passer et j'entends le téléphone qui sonne. Et en réflexion, comme ça, j'ai pris le téléphone. Oui. Et il me dit, un vieux monsieur, il me dit, tu entends la voix d'un vieux qui pleure. Il dit, regarde, moi j'appelle les Émirats. Je sais que vous êtes à Tel Aviv. Il me dit, votre société m'a volé 300 000 dollars. Je ne suis pas un homme riche. J'ai travaillé toute ma vie. Je croyais que j'allais gagner de l'argent. Je suis rentré. Je suis un retraité. Et maintenant, je dois vendre ma maison pour sortir. J'ai l'intention de me suicider. Une chose, je vais écrire dans la lettre que je laisse à mes enfants. Le premier juif que vous voyez, il faut le tuer. Je sais que tu m'appelles de Tel Aviv. Je sais que de Tel Aviv, vous m'avez volé cet argent. Donc je laisserai à mes enfants, comme testament, de tuer le premier juif qu'ils voient. Et il ferme le téléphone. Il me dit, je vois, apparemment, ça vient des Émirats. Il me dit, ce moment-là, il me dit, je regardais comme ça, je suis sorti après avec la cigarette, il me dit, on était en hauteur dans les grands immeubles, il me dit, je regardais le sol en bas, et je voulais sauter. Il dit, j'ai jamais été dégoûté de moi plus que ce moment. Et j'ai compris que moi, j'ai brûlé 1,5 million de shekels, mais mon boss, il a récupéré. C'est-à-dire que sur le 1,5 million que moi j'ai pris, j'ai fait perdre à des gens 10 millions et plus. Il me dit, je voulais me suicider. Il a appelé sa femme. Il a vu qu'il avait de l'argent, un peu d'argent dans la poche. Il amène les passeports, amène notre petite et vient tout de suite me rejoindre. On se donne rendez-vous à l'aéroport. Et il me dit, je suis venu ici, je n'avais pas où aller. Il me dit, j'ai laissé tout, je ne sais même pas. J'ai laissé l'appartement meublé, j'ai tout laissé. Il me dit, j'avais besoin d'une cure. Et il me dit, et pour vivre, voilà, je prends les gens pour 25 dollars de Kiev, de l'aéroport, à Ouman. Et je reste là, tant que je ne me suis pas purifié, je me sens tellement mal sur ce que j'ai fait. Je ne sais même pas. Il dit, même si je vais vivre une vie de Mathusalem, comment je vais rembourser 10 millions de shekels que j'ai volés à A et à B et à des retraités, à des malheureux? Il me dit, mais il me dit, pendant l'année, le 1 an et demi que j'étais là-dedans, je parlais six langues. Donc j'étais le plus réussi, celui qui arrive à faire sortir de l'argent de tout le monde. Et ça devient un jeu. Mais tu ne comprends pas que tu joues avec l'argent des gens. Il me dit, je me déteste, il me dit.
Il pleurait. Ouais, qu'est-ce que tu, comment tu, comment je peux faire un tikkoun? Qu'est-ce que tu as à dire à un homme comme ça? Honnêteté. Karov Hashem. Tchouva, tchouva, non? Il y a des gens qui ont pris de l'argent. Tchouva, c'est avec Hashem, une teshuva, c'est de rendre. Voilà, saute. Qu'on passe pas encore 30 guilgoulim pour rendre. Karov Hashem l'échol korav. Et nous, on parle de l'idée au début. On ne veut pas mettre des pansements. On veut être bon. On n'a pas envie de prendre l'antibiotique. À la base, éduquer nos enfants à de l'argent cachère, au travail dur. S'il faut 30 shekels de l'heure, c'est 30 shekels de l'heure. Et si c'est moi, c'est moi. Mais au moins, ta chemise que tu as sur toi, elle est à toi. Le pain que tu fais rentrer, c'est du pain que tu as travaillé de fierté. Tu as travaillé pour le faire rentrer. J'avais un ami, il était un peu. Un jour, j'ai vu, il avait une belle gourmette sur lui. Je lui ai dit, combien t'as coûté la gourmette? Il m'a dit 5 minutes de peur. Que Dieu nous en préserve. Yéréa vient assez quand tu crains Hachem. Tout ce que tu veux. Tu n'as même pas besoin. Alors, il y a des niveaux, alors c'est fou. Alors, au début, regardez bien. Regardez comment le texte, comment David a. Regardez le texte, comme il est merveilleux. On finit par Karov Hachem l'échol koreav. Dieu est proche à tout celui qui l'appelle. Tout celui qui l'appelle sincèrement. Il est proche. Ben oui, tu appelles Hachemia, un homme n'importe où, dans n'importe quelle situation, il crie, Dieu, il est dans l'hôpital, il attend, il y a sa femme, il y a son fils, il y a son père. Hachem, il est là. Il crie, il est là. Ça, c'est l'homme qui ne connaît pas Hachem. Même s'il n'a pas connu Hachem jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de quoi avoir honte, tu peux toujours l'appeler. C'est pas, waouh, Shuma, je ne l'ai jamais appelé jusqu'aujourd'hui. Il t'attend. Si tu es sincère, il t'attend. Mais après, il y a un autre niveau. Celui qui craint Hachem, il n'a même pas besoin de demander à Hachem, il veut lui faire la surprise. Il sait qu'il aime ça, il lui offre. Avant qu'il demande. Hachem shomeret kol ohavav, il garde, il protège tout celui qu'il aime. Mais à la fin, celui qui a pas considéré Hachem, sachez-le. Celui qui se comporte comme s'il n'y a pas de Dieu. Bah, c'est lui qui disparaîtra avant. Il n'y a pas. Le mal ne peut pas tenir. Le mal, il faut savoir, le mal ne peut pas tenir dans le monde. Ne peut pas. Il n'a pas d'existence. Le Sheker, les lettres Shin Koufresh, les ont un pied. Elles ne résistent pas. Un homme ne peut pas tenir longtemps sur un pied. Il reste, il étonne tout le monde quand il saute sur un pied et tout le monde le regarde, l'applaudit. Mais enfin, quand il tombera! Mais les lettres Emet, le Aleph, le Mem et le Taf, ils ont deux pieds. Elles résistent tout le temps. Elles sont stables. Le Aleph, il a deux pieds. Le Mem, il a deux pieds. Le Taf, il a deux pieds. C'est pour ça qu'on dit, la Sheker en raglaim, il n'a pas de pied. Pourquoi il n'a pas de deux pieds? Il a un. Il t'étonne, mais il tombe à la fin. Shikra lokai. Et c'est pour ça que dans David HaMelech, il dit, Tehillat Hashem idaber pi, vivarech kol basar shem kodesh le'olam va'ed, notre souhait. C'est que tout le monde, tout ce qu'il y a dans le monde entier va louer Hachem. Va anachmu nevarechia ma'ata v'adolam alléluia. Quand on a la bracha, nous on est mevarech Hachem, ça nous renforce en Emouna. Parler Emouna, quand on parle Emouna, ça nous met des bonnes midot. Quand on parle Emouna, on enlève la jalousie, on enlève la concurrence, on enlève le mauvais œil, on enlève tout. On enlève tout. Et on est dans le bonheur, dans la joie, dans la etc.